Je suis l'agent 1. Je suis l'agent 2. Du bureau disciplinaire de la Super League. Comment puis-je vous aider, messieurs? Vous savez, là, j'ai un match à préparer. Désolé, coach. Mais vous n'allez pas pouvoir jouer ce match. Oh, vraiment? Et pour quelle raison, juste? Votre licence de coach a expiré. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Super Strikers! Permis de coacher. Est-ce qu'on pourrait régler ça plus tard? Il faut que j'aille préparer mon équipe pour le... Article 843 du règlement de la Ligue. Les coachs dépourvus de licence ne peuvent entraîner d'équipe sous aucun prétexte. À présent, si vous voulez bien nous suivre, monsieur. Coach sécurisé. Nous nous dirigeons vers le quartier général. Coach, mec, où c'est tout? Au quartier général de la Super League. Paraît-il que ma licence de coach ne serait plus valable. Quoi? Je dois repasser le test de coaching de la Super League avant de pouvoir retrouver mon statut. Non, il vous demande à vous de renouveler votre licence. Je croyais que le coach était né avec moi. Claire, je veux dire, même les autres coachs vous appellent coach. Et le plan de jeu pour affronter les Iron Tanks? Ouais, oui, c'est qu'on en a besoin, nous, coach. Ah, je ne suis pas autorisé à vous donner le moindre conseil. Mais ce que je peux vous dire, c'est... que cette histoire, c'est comme une clé sur une porte. Pas de raison de vous mordre les dents. Du lait et tout ira bien. Désolé de vous laisser la tête dans les buissons. Je dois vous laisser. Je vous rappellerai dès que j'aurai terminé. Mais le match commence dans... Bienvenue au quartier général de la Super League. Peut-être que c'est aussi bien que le coach soit fait lourder. Parce que si son speech était censé nous motiver, moi je veux bien être pendu. Ça n'avait ni queue ni tête. Peut-être que ce n'était pas sa vocation. Alors quoi? Ce serait une sorte de code ou un truc du genre? Une clé sur une porte, se mordre les dents, du lait et tout ira très bien. La tête dans le buisson. Clé dans les buissons. Très cher candidat, veuillez me donner votre nom et expliquer pour quelle raison vous souhaitez passer ce test d'entraîneur. Tchuss! Moi c'est Elena et je veux devenir la plus grande coach de la Super League de tous les temps. Et étriper tous ceux qui voudront m'en empêcher. Suivant. Bonjour, je m'appelle Norman, ou Norm, ou comme ça vous chante en fait. Je suis là en raison de mes compétences dans le domaine de l'innovation tactique. Et pour terminer, monsieur? Monsieur? Je suis coach. Hein? Et je suis ici parce qu'il se trouve que j'ai un match à gagner aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Parfait!
Le coach a envisagé trois méthodes pour venir à bout de la défense de Iron Tech. Bien joué, coach. Mais il nous faudrait quelqu'un avec des compétences innées d'entraîneur pour interpréter ces tactiques. Laissez-moi passer. Faut suivre ces lignes qui zigzagent, faire attention à ces énormes X, ils ont l'air très dangereux. Ah, non mais t'es sérieux mon père? N'importe quoi. Les mecs, El Matador a raison. Ces X sont les choses les plus dangereuses de toute la Super League actuellement. C'est jour de match à Strike Alarms. Les troupes du colonel Von Push-Up sont venues à bout des meilleurs attaquants de la Super League avec leur toute nouvelle formation défensive. Il va falloir un bel éclat de génie de la part de Coach pour remporter ce match. Mais peut-être devrait-il déjà commencer par être présent à ce match. Que pourrait-il avoir de plus important à faire qu'être là? Aujourd'hui, nous allons vérifier que vous avez ce qu'il faut dans le ventre pour être un coach de la Super League. Et le fait que j'ai remporté la coupe par trois fois, ça ne compte pas, c'est ça? Les règles sont les mêmes pour tous. Je dois l'avouer, coach, je suis surprise que vous ayez laissé votre licence expirer aussi bêtement. Alors, pour autant que je sache, ce n'est pas le cas. Ne faites plus un pas, monsieur. Vous savez que mon équipe joue en ce moment même, enfin! Comment suis-je censé suivre le match? Je suis de tout cœur avec vous, coach. Croyez-moi, je suis sincère. Mais... Les règles sont les mêmes pour tous. Les Super Strikers passent à l'offensive! Mais ils doivent réussir à se frayer un chemin au travers de la formation défensive ultime! Deux lignes, deux grands opposants et un posant colosse! Le rideau de fer! Tactique numéro 1. On fait 1, 2 autour du rideau de fer. Oh! C'est une tactique très affûtée que nous offrent les Strikers. Mais pas assez affûtée pour déchirer le rideau de fer. Le colonel Von Push-Up remporte la première manche de cette bataille tactique. La victoire est malgré tout facile quand votre adversaire n'est pas présent. Faire le bon choix tactique au bon moment est la clé de la victoire. Pour ce premier test, vous devrez adapter la formation de votre équipe pour remporter des scénarios générés par notre ordinateur. Ce qui sera un beau challenge même pour vous, coach. C'est fait. Excellent travail! Bien, essayons un scénario un peu plus difficile dans ce cas, voulez-vous? Oh! Encore juste? Et si on essaye ça? Et c'est tout ce que vous avez? Il les a tous réussis haut la main. C'est quoi la suite? J'ai l'impression que rien qu'à son contact, il a fait de moi une meilleure coach. Tu crois qu'il m'autographierait le visage? Les Super Strikers passent à l'offensive une fois encore. Pourront-ils faire mieux cette fois? Tactique numéro 2. On fait passer la balle au-dessus du rideau de fer. Ouh! Encore une fois, voilà qui semble prometteur pour les Strikers. Mais une fois encore, le rideau se ferme juste sous leur nez. On dirait bien que Coach a donné des instructions à son équipe. On n'était pas du tout préparé à ça. Ne t'inquiète pas. Sans lui ici pour donner les consignes, les Super Strikers doivent se préparer à baisser le rideau. Le second exercice va vous obliger à affronter les adversaires les plus vicieux et redoutables qui existent dans le monde du football. La presse.
petit moment, je vous prie. J'ai oublié mon nouveau mot de passe. Est-ce que vous avez essayé 1, 2, 3, 4? Au mot de passe, j'utilise toujours celui-là. Vous avez essayé d'éteindre et de rallumer? C'est pas le genre de protocole de sécurité qu'on s'attend à trouver au quartier général de la Super League, ça. Ouais, il y a comme un truc qui cloche. Vous voulez dire quoi? Pour pouvoir devenir coach, il y a besoin de trois choses. De motivation, de la tactique, et un instinct qui vient des tripes. Et mes tripes sont plus dérangées que quand j'ai mangé un sandwich retrouvé dans le bus des Strikers après un an de match. C'était un pari tactique. Maintenant, écoutez-moi. Là, j'ai très peu de temps pour chercher à comprendre ce qui se trame ici. Et je serais ravi de pouvoir m'appuyer sur deux coachs assistants. Ok, ça fonctionne. Qui commence? Norman. Première question. Vous vous apprêtez à affronter les Invincible United. Comment comptez-vous gérer la donnée Scara? À vrai dire, j'ai deux ou trois petites idées. Je m'appuierai sur les milieux de terrain défensifs pour empêcher Scara de contourner notre ligne défensive. Alors, mes latéraux couperaient court à toute tentative d'intrusion dans les espaces laissés ouverts. Et quand Scara est à l'avant, ils sont derrière lui. Et quand il est à l'arrière, ils sont devant. Est-ce bien clair? Parfait! Bien, dans l'étape numéro 2, les choses deviennent un peu plus délicates, dirons-nous. Dites, est-ce que vous allez me dire ce qui se passe? Je ne pense pas que ma licence ait expiré par hasard. Mais il me faut des preuves. Tu l'as et tout ira bien. Oh. La tête dans les buissons. Tout ça n'a aucun sens. Arrête de te prendre la tête avec ça. C'est pas ton boulot, ça, agent 1. Et où est-ce qu'on va la trouver, cette preuve? La vidéosurveillance, mais bien sûr! Quelque chose me dit que cet examen ne prépare pas à tout ce qu'implique le poste de coach. Vous n'imaginez même pas à quel point. Hein? Nous devons absolument trouver la carte d'accès. Pas nécessairement. Parfois, la force est le meilleur moyen de venir à bout d'une défense solide. Très bien. Commençons déjà avec la nuit dernière. Est-ce que vous arrivez à suivre tous ces écrans en même temps? Ah, quand vous avez à analyser 5 heures d'enregistrement de match par jour, vous y habituez vite. Il y a eu une panne? Ou bien quelqu'un a cherché à effacer ses traces. Il semblerait que les Iron sont heureux de rappeler qu'ils sont les chefs ce soir. Et les Super Strikers semblent ne pas savoir comment éviter une défaite cuisante à domicile. Tactique numéro 3. Forcer la défense à dégager un espace au centre. Je me chargerai du reste. Les Super Strikers lancent une attaque massive. Les Dancing Rasta semblent ne pas savoir où faire la passe. Mais c'était en fait une feinte. Et les Iron Tanks, ce sont les savoirs. Oh, il s'en est fallu de peu. Mais la défense des Iron Tank est impénétrable. C'est maintenant et plus que jamais que les Super Strikers auraient besoin de leur coach. Est-ce que vous vous rappelez seulement de ce que je vous avais dit tout au début de la première période? Apparemment pas, parce que vous m'avez fait de la daube. Ça a été? Ah, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie, là. Coach, c'est à vous. Le bilan de la mi-temps est l'une des parts les plus importantes du travail de coach. Et la toute dernière épreuve. C'est amusant, voyez-vous. J'avais préparé un speech, mais il n'était pas pour vous. Il est pour mon équipe, là-bas.
qui se bat et se démène sans pouvoir compter sur moi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on m'a piégé. Le trou dans la vitre, les nouveaux mots de passe, les vidéos de surveillance effacées. Vous avez subi une effraction. Et ma licence qui expire comme par hasard le jour où mon équipe doit affronter sur notre terrain les Iron Tank, il suffit de lire entre les lignes, enfin... Entre les lignes, bien sûr. Vous êtes sur la ligne de coach. Pourquoi est-ce que vous m'appelez? C'est jour de match, bon sang. Courage, les gars! On va pas abandonner maintenant! Tout ce qu'on a à faire, c'est... Non, je trouve rien là. Ah, c'est que le boulot de coach, c'est... coton. Elena, Norman, je crains malheureusement que vous deviez réessayer. Coach, vous avez vraiment, vraiment, très bien réussi. Oh! Hé! Hey, vous allez même pas sauter de joie ou fêter ça? Il ne reste que 5 minutes avant que la seconde mi-temps ne commence. Si je n'ai rien à dire à mes gars, là, tout de suite, alors je ne mérite pas d'être coach. Avec ou sans licence. Est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé... un moyen de faire tomber le rideau de fer. Vous venez ou quoi? N'abandonnez pas, les mecs. Coach va réussir à trouver une solution pour nous. Je le sais. D'accord. Voilà comment nous allons procéder. Norman, je veux que vous étudiez mon nouveau plan de jeu. Ah, ce serait... un grand honneur. Elena, trouvez-nous le moyen le plus rapide de retourner à Strikerland. C'est déjà fait! Je dois quand même vous prévenir, je conduis comme je coach. Nous sommes à présent dans la seconde mi-temps. Il semblerait que les Super Strikers soient à présent à court d'idées. L'issue de ce jeu est déjà sous presse dans les journaux spécialisés. Rasta, on dirait bien que c'est jour d'examen pour vous, non? Et pour votre coach? Les Super Strikers ont épuisé toute leur tactique. On attaque! D'un seul coup, les Iron Tank décident de se réveiller. Parviendront-ils à décocher le coup fatal dans les dernières minutes? Non mais attends, Coach n'a dit que 4 misérables phrases. C'est quoi cette histoire de tête dans les buissons? Je crois vraiment que ça cache quelque chose, si tu veux m'en arrête à présent, ça suffit. Tu commences à me courir, là. On reste là, Coach. Article 8.43 du règlement. Les coachs dépourvus de licence ne sont pas... Oh. Article 1er de mon stade. Dégagez vite de mon passage. L'attaque des Iron Tank prend à présent plus d'ampleur. Wow! Voilà qui s'appelle une entrée remarquée. Coach parviendra-t-il à amener son équipe à terminer ce match avec panache? Relax. Y a aucune chance qu'il puisse débarquer avec une nouvelle tactique. Il n'aura pas eu le temps pendant l'examen. Comment ça se passe, messieurs? Pas très bien, là, coach. Aucune de nos tactiques n'a marché. Alors, si passer sur les bords, au-dessus et à travers du rideau de fer n'a donné aucun résultat, on va se glisser entre les lignes. Tactique numéro 4. On se faufile dans l'espace entre les deux lignes du rideau de fer. On asticote les tanks pour les forcer à tenter une action. Ensuite, on s'engouffre dans la brèche. Les Super Strikers parviendront-ils à réaliser ce sur quoi ils ont échoué pendant tout le match? Concrétiser leur action? Ils semblent vouloir se glisser entre les deux pans du rideau! Johan Huber ne sait pas s'il doit conserver sa position ou tenter quelque chose. Allez, bouge, allez! Pendant combien de temps il faut avoir été coach avant d'arrêter d'être aussi stressé par un match? J'aimerais le savoir.
On a assez joué à présent. Les Super Strikers ont finalement réussi à faire voler un éclair rideau de fer. Bien joué, ma sœur. Vous avez fait du beau boulot, tous les deux. Mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre si vous voulez devenir des coachs en Super League. Ouais, parce que devoir affronter coach, ce sera l'examen le plus difficile que vous aurez à passer. Bienvenue au quartier général de la Super League. Du fait d'une faille dans la sécurité, nous avons décidé de réexaminer l'ensemble des coachs. Je suis de tout cœur avec vous, très sincèrement, croyez-moi. Mais les règles sont les mêmes pour tous. Strikers!